Arthur est dans un profond mal-être depuis que Lorraine est venue perturber sa relation avec Jennifer et provoquer leur rupture. Où cela va-t-il le mener? Auguste Yvon, Arthur va avoir besoin de se retrouver un peu. Toute cette histoire l'a profondément affecté. Avec le soutien de sa grand-mère, Elisabeth, il va partir rejoindre son père qui se planque en Uruguay. Vous quittez donc la série? Il semblerait que oui. J'y ai beaucoup réfléchi cette année. J'ai peu tourné entre janvier et août, puis le rythme est devenu effréné les 2 mois qui ont suivi. Si est-il compliqué d'être dans de grandes périodes de creux et d'enchaîner avec des sessions de tournage particulièrement denses. J'en ai parlé avec la production. On s'est dit qu'on allait mettre Arthur au vert. Mais la porte n'est pas fermée. Je reviendrai peut-être. Quoi avez-vous envie d'accomplir maintenant? Mon premier objectif est de réussir mon brevet de pilote d'avion, le 5 janvier. Je suis un passionné d'aéronautique depuis que j'ai 5 ans. J'ai déjà fait du planeur et de l'hume. L'autre objectif, si est-il la création de ma propre boîte pour proposer mes services de pilote de drone. Avant cela, à quel moment vous est-il apparu évident que vous vouliez être comédien? J'ai commencé un si grand soleil l'année de mon bac, je n'avais pas 18 ans. J'en ai 22 aujourd'hui. Je ne me destinais pas à être comédien. Ça a été une expérience incroyable et ça m'a aussi ouvert les yeux sur ce que je voulais vraiment. J'aimais piloter, faire de l'image et voler. Je vais donc me donner la chance de travailler avec des machines volantes. De la famille Bastide, il ne reste plus que Christelle Labaud, votre grand-mère de fiction. Comment a-t-elle réagi en apprenant votre départ? Elle et Frédéric Van Den Driesch ont été peinés mais compréhensifs. Je les aime tellement tous les deux. Avec Christelle, j'ai eu des scènes d'émotion inoubliables. Je pars avec plein d'heureux souvenirs. Et Maëlle Mieton, Alice Bastide, dans tout ça? Depuis le départ de Jérémy Bansté, Julien, elle ne tournait déjà plus beaucoup.